Salut à tous les amis, c'est Tizo et on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de présentation du DLC numéro 2 d'Infinite Warfare. J'ai nommé Continuum. Alors on va continuer justement avec une nouvelle map qui se prénomme Archive. Alors je vous le dis tout de suite, c'est mon coup de cœur de ce DLC, c'est vraiment la map que j'ai préféré. Également les youtubeurs qui étaient avec moi, c'est-à-dire Senka, Lynn, eux aussi ont kiffé. Ils m'ont dit voilà, franchement cette map, elle a un petit goût, c'est vrai, vous allez le voir, des maps qu'on avait l'habitude de voir sur Black Ops 2. Un petit goût de raid mélangé avec la map Grind. Donc ça c'est la map qui se déroulait dans un skatepark. Donc c'est-à-dire que c'est une map assez minimaliste, c'est-à-dire pas trop d'éléments graphiques, pas trop encombrés. Vous avez vraiment des longues salles vraiment assez espacées. Donc vous allez pouvoir surtout vous faire plaisir, je pense, aux snipers, à l'air également, puisque bah voilà, vous avez possibilité d'avoir les ennemis vraiment de super loin. Et voilà, c'est vraiment le type de map que j'aime. Trois grandes voies, donc voilà, une voie droite, une voie gauche. Donc vous allez pouvoir vraiment, je pense, vous faire plaisir dans cette carte. Alors je rappelle un petit peu les choses pour ceux qui n'avaient pas vu ma première vidéo, donc qui est sortie hier sur XS. Si c'est pas le cas, bah restez jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura une petite annotation de fin où vous pourrez cliquer pour la revoir ou la voir si vous ne l'avez pas vue. Donc c'était donc le remake de la map Rust de Modern Warfare 2, je pense que j'ai pas besoin de vous le rappeler. Donc j'ai eu la chance de me rendre à Londres en début de semaine pour tester le DLC dans son intégralité. Donc évidemment il y aura aussi le zombie Shaolin Shuffle qui arrivera donc lundi à 19h. Je pense que bah voilà, les fans de zombies sont assez curieux de voir ce que ça donne. Et bah voilà, en tout cas nous on a pris pas mal de fun sur cette map zombie. Donc voilà, aujourd'hui la map Archive. Alors c'est une map qui se déroule dans une galerie d'art futuriste, évidemment futuriste, puisque c'est du Infinite Warfare, c'est le futur, les jetpacks, les armes avancées à plasma, etc. Donc on reste quand même dans le même thème. Donc une map vraiment, comme je vous l'ai dit, très agréable à jouer. Graphiquement, bon, c'est pas la plus belle map qu'on ait vue cette année et ni les années précédentes, mais là c'est vraiment une map de jeu. Je trouve que elle est vachement bien construite. Vous avez voilà, différents passages, vous allez pouvoir contourner les ennemis, vous allez pouvoir vraiment adapter votre style de jeu. C'est pas une map qui va vous forcer à jouer dans un certain style, vous allez vraiment pouvoir adapter votre style de jeu à cette map en utilisant les déplacements avancés que propose Infinite Warfare. Donc voilà mon petit coup de cœur de ce DLC. Je sais pas ce que vous en penserez, n'hésitez pas à me donner votre avis. Alors à l'heure où je vous parle, peut-être que ma voix ça s'entend un petit peu, il est 2h du matin, je vais pas vous mentir que je suis ultra fatigué puisque demain on a rendez-vous pour la Gamer Assembly. Alors je sais pas si vous savez ce que c'est, je vais faire un petit rappel pour ceux qui savent, et puis pour ceux qui ne savent pas, bah vous allez connaître cet événement. Alors c'est un événement qui se déroule à Poitiers, c'est l'une des plus grosses LAN française de l'année. Donc elle se déroule sur plein de jeux. Il y a du Street Fighter, il y a du Call of, c'est pour ça que je m'y rends, je vous expliquerai un petit peu après. Il y a du FIFA, il y a du League of Legends, il y a du Rocket League, il y a énormément de jeux, je pourrais pas tous les citer, faut aller sur leur site et checker. En tout cas c'est une LAN de dingue, il y aura énormément de joueurs compétitifs qui vont s'y rendre. Et donc moi j'y vais avec le roster que je manage, c'est les Redward Sinus. Un petit coucou et big up à mes mates. Donc on va partir demain matin tous avec un petit minibus pour faire ce petit road trip direction Poitiers. Et bah voilà, j'espère qu'on va avoir une bonne LAN ce week-end. N'hésitez surtout pas à checker le stream. Je pense qu'il y aura un stream sur Twitch de toutes ces LAN, et puis de la LAN Infinite Warfare où donc on sera présent. Et bah voilà, c'est pour ça que là je suis encore au garde à vous à cette heure là puisque j'ai pas mal de choses à préparer avant le départ. Mais voilà, ça me faisait plaisir de faire cette vidéo avant de partir, de manière à être tranquille et puis vous l'ayez à 19h comme promis. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à me donner votre avis, ça fait toujours plaisir. Lâchez un petit commentaire, lâchez un petit like si vous avez kiffé. Et puis bah voilà, soyez
toujours au rendez-vous à 19h jusqu'à lundi pour toutes les maps et finir en apothéose avec la map zombie. Voilà les amis, c'était Tizo, c'est tout pour moi. Prenez soin de vous, à la prochaine. Point.